Bonsoir et bienvenue sur TV7 avec à la une de cette édition, le calendrier pour la prochaine saison des Girondins de Bordeaux. Une offre d'emploi originale, puisque le conseil départemental cherche des maraîchers pour une expérience tout à fait innovante. Il ne faut pas baisser la garde non plus face au Covid. Et le CHU d'ailleurs se dote d'une base de données pour mieux surveiller le virus. Mais pour commencer, retour sur les drames de ces derniers jours en Nouvelle-Aquitaine. L'agression d'un chauffeur de bus à Bayonne et la mort d'une gendarme en Lot-et-Garonne. C'est l'heure des hommages. Et pour commencer donc une cérémonie en hommage à Mélanie Lemay, c'était ce matin à la caserne de gendarmerie de Mérignac, la jeune gendarme tuée par un chauffard lors d'un contrôle routier dans le Lot-et-Garonne a reçu la Légion d'honneur donc ce matin à titre posthume, une décoration d'ailleurs remise par le nouveau ministre de l'Intérieur, Gérard Darmanin. Dans cette affaire, vous le savez également, un jeune homme de 26 ans a été interpellé et mis en examen pour homicide volontaire. Et bien hier, son avocat a dénoncé cette thèse de l'homicide. Selon lui, son client est aujourd'hui effrayé par les conséquences de ce qui s'est passé le week-end dernier. Écoutez son avocat. Il a bien retenu qu'on disait de lui qu'il était un meurtrier, de meurtrier à monstre. Il n'y a pas loin, puisque sur les réseaux sociaux, bien évidemment, la qualification a été employée. Donc, il n'oublie pas, il sait, il est habité par la certitude qu'il a occasionné un malheur profond et que quand on lui parle de cette jeune femme qui a à peu près le même âge que lui et qui est morte par son comportement totalement inconséquent, il dit « Écoutez, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux dire ? Sinon, que j'ai pas voulu la tuer jamais !» Voilà, une marche blanche à la mémoire de Mélanie Lemay, d'ailleurs prévue ce samedi. Autre marche blanche, c'était cette fois à Bayonne hier soir. 6000 personnes au moins ont défilé après la violente agression d'un chauffeur de bus dimanche dernier. Sa femme et ses filles ont ouvert la marche, on a vu les images, jusqu'à l'hôpital où il est pris en charge. Philippe Monguillot est aujourd'hui dans un état de mort cérébrale et son épouse, vous allez le voir, lui a lancé un message de courage. Rappelle ce qu'on s'est dit. Au bout. Alors, il faut tenir. Moi, je suis prête. Je tiens. Toi. Donc, moi. Voilà. Mon mari, mon mec, on le touche pas. Voilà pour cette marche blanche à Bayonne. Et quelques dizaines de personnes se sont réunies en fin de matinée devant la mairie de Bordeaux. Un rassemblement pour exiger qu'il n'y ait aucune expulsion de logement après le 10 juillet. C'est à cette date, en effet, qu'a été fixée la trêve hivernale qui a dû être prolongée en raison de Covid. Une délégation a été reçue à l'hôtel de ville. Et puis justement, nouveau conseil municipal ce vendredi à Bordeaux. Il sera délocalisé cette fois du côté de la métropole et Pierre Urmic présentera les adjoints pour ce mandat. Il ne faut pas relâcher la vigilance face au Covid. Quelques spécialistes s'inquiètent d'un retour de l'épidémie en France. En Nouvelle-Aquitaine, malgré quelques cas détectés, aucun signe d'une éventuelle reprise. La situation est même totalement sous contrôle. Le CHU vient par ailleurs de mettre en place une base de données pour suivre au plus près l'épidémie grâce au croisement des informations en provenance des urgences, du SAMU et des hôpitaux. Explication. Alors en fait, c'est un travail d'équipe, non seulement pour constituer cet entrepôt de données, mais aussi après pour interpréter les résultats et les indicateurs que l'on peut voir. Donc en fait, on se réunit régulièrement dans le cadre du CHU pour discuter justement de ces résultats et de voir qu'est-ce que l'on en conclut par rapport à ces résultats issus de l'entrepôt de données. Ces données, d'après ce que vous me dites, n'incluent pas la médecine de ville. Est-ce que ce n'est pas un manque justement pour surveiller encore plus près les... Alors c'est un excellent point. En fait, il se trouve qu'il y a déjà un certain nombre de systèmes qui existent.
pour suivre un peu ce qui se passe en médecine de ville. Donc, par exemple, il y a un projet qui s'appelle Raphaël Covid, qui se base donc sur un projet Ange Gardien, qui a exactement ce type de réflexion. Et il y a aussi SOS Médecins, qui ont eux-mêmes leur propre système, justement, de suivi de leur activité, et donc qui peuvent regarder, effectivement, s'ils ont une augmentation de diagnostic Covid. Alors, l'objet, nous, de ce que l'on souhaite faire et que l'on a proposé, justement, à la région, c'est justement de pouvoir regrouper l'ensemble de ces informations, et y compris des nouvelles informations issues des médecins généralistes à travers les départements de médecine générale. Allez, comme nous le faisons régulièrement, également un coup d'œil sur ce qui se passe dans les départements de Nouvelle-Aquitaine. Et ce soir, ce sont les Landes qui sont à l'honneur. Tout de suite, direction Dax pour faire un point sur l'essentiel de l'actu de cette semaine. Ils sont là. Première semaine de juillet dans les Landes, les touristes sont exact au rendez-vous, comme chaque été. Cela permet de lever les dernières craintes des acteurs touristiques quant à la saison toujours importante pour ce territoire. On voit également plein d'animations qui reprennent un peu partout, même si tous les amateurs de ferrières regretteront les annulations des ferrières dacquoises et montoises. On va trouver autre chose à faire dans les Landes cet été, même si, attention, période propice à la convivialité, il y a également une urgence sanitaire qui est toujours en cours. À Parentis, dans une exploitation de myrtilles, un cluster de Covid a été révélé depuis le début du mois de juin. Il y a 16 cas avérés, une grande campagne de dépistage est lancée avec plus de 300 saisonniers qui ont été testés. Également, les populations de ce canton du nord-ouest du département sont invitées à se faire dépister quant à cette maladie. Ce même territoire du Born a vu, pas plus tard que ce milieu de semaine, l'élection de la maire de Gast, Françoise Doust, à l'intercommunalité des Grands Lacs. Elle devance grâce aux voix de droite sa rivale qui est nommée vice-présidente, Hélène Larosée, maire de Biscarrosse, nouvellement élue. Petit revers pour l'opposition départementale et d'autres échéances à venir dès ce vendredi au Grand Dax. Ensuite, la semaine prochaine, ce sera au tour du canton de Chalosse-Tursan où trois candidats entendent s'imposer. Air-sur-Adour, où Xavier Lagrave, le maire réélu, pourrait enfin obtenir l'intercommunalité qu'il n'avait pas eue au dernier mandat. Également, Max, le territoire de la côte sud des Landes, votera sur son avenir et son exécutif le 16 juillet. Pour terminer, un sujet plutôt inquiétant dans les vergers du bord de l'Adour et des gaves, une mortalité anormale relevée auprès des kiwis. Depuis le printemps, les autorités sanitaires et même la préfecture sont au courant de ce sujet avec des fruits qui ne parviennent plus à se développer faute de sol assez riche pour contribuer à la croissance de ces fruits. Allez, restons en bord de mer cette fois avec ce qui s'est passé durant la semaine en Charente-Maritime, direction La Rochelle. La peur de la deuxième vague de Covid-19 déferle déjà dans l'île de Ré. Présence de touristes malades, foyers d'infection dans les campings, les rumeurs vont bon train, au point que les services municipaux sont saturés d'appels alarmés. Les autorités sont pourtant claires, à commencer par l'Agence régionale de santé, il n'y a pas de cas confirmés dans l'île. Et la situation est même calme en Charente-Maritime. Une information, une vraie celle-là qui affole les internautes, c'est l'arrivée du navire de transport de la mer américaine Endurance, avec son impressionnant chargement, 63 hélicoptères, 500 véhicules, des centaines de conteneurs. Le cargo a accosté mardi au port de La Palisse, dans le cadre d'une opération baptisée Mousquetaire par les Américains, sans doute un clin d'œil à La Rochelle. Et puis chaque année en cette période, la grande scène des francopholies s'élève sur l'esplanade Saint-Jean d'Acre, de l'autre côté du Chenal. Contexte oblige, les concerts prévus sont annulés, mais le festival animera le Vieux-Port du 10 au 14 juillet, avec des documentaires, des balades chantées, une radio éphémère et même un karaoké géant, le soir du 14 juillet. Voilà, avant de jeter un coup d'œil sur le prochain calendrier des Girondins de Bordeaux pour la saison 2020-2021, sachez que le département de la Gironde recherche 4 maraîchers pour un projet inédit, c'est dans le Médoc. Il s'agit en fait de créer une ferme
biologique sur son site de Nodris à Verteuil. C'est là qu'est accueilli le festival Reggae Sunska. Cette production en circuit court est destinée à terme à alimenter les 5 collèges du Médoc, mais aussi la population locale. Près d'une quarantaine a déjà répondu à l'appel à candidature. Une visite était organisée sur place ce mercredi, visite à laquelle a assisté Dominique Parmentier. Le domaine de Nodris à Verteuil, c'est plus de 40 hectares de surface agricole et forestière sur laquelle le département veut développer un vaste projet à la fois socio-économique et culturel. Pour la partie agricole, 5 à 8 hectares sont donc proposés à la location pour un bail de 9 ans à au moins 2 et jusqu'à 4 maraîchers bio plutôt expérimenté. Nous, vous savez qu'on est très sensibilisés sur les circuits courts, la production locale. Donc ces maraîchers, bien leur production viendra alimenter les collèges du Médoc au niveau de la restauration. Et puis, si la production est suffisante, nous pourrons aussi satisfaire la demande locale. On sera aussi une couveuse. Donc si d'autres ont des projets plus jeunes encore, ils pourront être accompagnés. Et ils sont nombreux aujourd'hui à avoir répondu présent. Je suis installé en tant que maraîcher agricole sur un espace test, dans un projet sur Moulis. Et voilà, en maraîchage bio depuis février 2020. Et ben voilà, je suis très intéressé pour une installation dans le Médoc. Là, pour le moment, j'ai pas de travail. Mais c'est aussi une question de collectif et d'être plus résilient alimentairement au niveau de la collectivité. Et du coup, je trouve que c'est un projet qui est super intéressant. Moi, j'ai un projet de chèvrerie et je voudrais m'installer avec mon compagnon qui est maraîcher, lui. Et on aimerait bien s'installer dans le Médoc, mais pour l'instant, ça fait 6 mois qu'on cherche des terres et on n'a rien trouvé. Donc ça pourrait être éventuellement une opportunité de s'installer ici. Partez de votre idée, de votre projet et on vous aidera aussi, on vous guidera aussi par rapport à ça. On les accompagne en proposant un investissement minima qui est accessible dès l'installation, c'est-à-dire un bâtiment qui sera un peu multifonction en fonction du nombre de porteurs de projets, des serres, les clôtures, l'accès à l'eau. Mais le projet de ferme bio ne s'arrêtera pas là. C'est une première salve avec ces quatre maraîchers. Mais il n'y aura pas que du maraîchage, puisqu'on pousse la logique du circuit court. Il y aura également un élevage de poules pondeuses. On envisage un apiculteur, on envisage une conserverie pour vraiment aller jusqu'au bout de la chaîne. Les candidats ont jusqu'au 1er septembre pour déposer leur candidature. Réponse le 30 septembre. Les heureux élus pourront cultiver leurs légumes dès le printemps prochain. Allez, chose promise, chose due comme prévu. Un coup d'œil sur le calendrier 2020-2021 de L1 pour les Girondins de Bordeaux. Avec, vous le voyez, tout va commencer le 23 août par la réception de Nantes. Vous avez sur ce calendrier uniquement quelques-uns des matchs à domicile. Vous pouvez le constater, le 13 septembre, il y aura un Bordeaux-Lyon. Et puis pour un Bordeaux-Marseille, ce sera le 14 février 2021. Bordeaux-Paris-Saint-Germain le 7 mars. Voilà quelques-uns des matchs à retenir, en tout cas à domicile. Mais l'ensemble de ce calendrier 2020-2021 de la L1 pour les Girondins de Bordeaux est bien sûr à retrouver sur le site sudouest.fr. Et puis je vous le rappelle, c'est la troisième émission mise en place par le Forum Santé Avenir consacré au Covid, les grandes leçons à en tirer. Ce soir, rendez-vous à 20h et 23h sur TV7 pour en savoir davantage. Donc, la période après Covid, c'est sur TV7. Bonne soirée.